présent, je suis en présence de Tao Tai. T'as fait un jeune qui t'a poussé quand même. Hein? Mais non, mais ça, c'est bien. C'est où ça, je vois pas. Non, non, c'est pas grave. Hein? Ma casquette, il a envie de me faire ça. Où sont les trucs que j'ai, tous sont les trucs que j'étais là. Ok. Bonjour à tous, ici Al Gobiaga, nous sommes en direct de l'Orange Digital Academy pour nous officions les grandes finales de l'Orange eSport Experience. Rappelons que les années passées, c'était l'Orange Gaming Tour, aujourd'hui appelé Orange eSport Experience. Voilà, une grande compétition nationale qui a lieu chaque année, organisée par Orange et Gamer CI. Voilà. Alors, je suis en présence de Tao Fight. Nous allons commenter la grande finale Street Fighter. Alors, nous sommes en direct de l'Orange eSport Experience, la grande finale nationale qui va commencer tout à l'heure. Nous aurons Star-Lord contre Gilles Chris Boka, qui d'ailleurs l'heureux gagnant de FIFA 20. Nous le félicitons au passage. Restez connectés, venez nombreux. Nous aurons beaucoup de choses aussi, beaucoup de lots à vous faire gagner. D'accord. Alors encore une fois, félicitations à Joker pour avoir été champion à l'édition FIFA de l'Orange eSport Experience 2020. Et il va aussi participer. Il fera partie des participants Street Fighter. Voilà. Alors, je vais vous donner la liste des participants. Nous avons Joker, Star-Lord, Devorali, Kruger, 3M, c'est-à-dire Mark McMasters, Movix, Retroman et Nokum. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons commencer avec le premier match, comme l'a dit tout à l'heure Tao Fight, Joker versus Star-Lord. Alors, ça sera tout à l'heure. Alors, juste pour un petit rappel, les finalistes de l'Orange eSport Experience ont été triés à partir du classement de l'UFS, Ultimate Fighting Championship, qui est un tournoi qui a été un circuit de compétition, pardon, qui a été initié par GamerCI, voilà, et qui accueillait les meilleurs compétiteurs ivoiriens. Et c'est le top 8 de l'UFS qui a été pris pour faire ce top 8 en fait de l'Orange eSport Experience. Voilà. On va donc profiter pour rappeler le top 8 de l'UFS. D'accord. Alors le premier match, nous aurons Joker versus Star-Lord. Le top 8 de l'UFS. Le top 8 de l'UFS. D'accord. On va voir rapidement. Ah,
Alors, top 8 UFS. Street Fighter, premier UFS. Nous avons Nokum, suivi de Mark McMasters, ensuite Devorali, Joker, Kruger, Movix, Retroman et pour finir avec Star-Lord. Alors, suivant le tirage, premier match, nous aurons Joker versus Star-Lord. Joker versus Star-Lord. Match au sommet. Combat fratricide, on va dire, puisque les deux ont appartenu à la même team. Alors, la team Ghost, voilà, Gilles Chris qui n'est plus maintenant de la team Ghost, qui évolue dans une nouvelle team nommée UIG. Voilà, nous avons nos deux challengers qui s'installent. Gilles Chris Boca à gauche et Star-Lord à droite. Ok, donc Gilles Chris Boca AKV Joker. Compétiteur ivoirien actuellement, pas seulement à Street Fighter, mais aussi à FIFA. L'un des plus grands marmailleurs de la scène de l'e-sport. Oui, Akapapa Nanflekun, un vrai marmailleur, voilà. Très intelligent, très combatif. Il est très, un très grand but e-sport. Alors, que Joker a été finaliste à l'OGT 2019 contre McMasters. Voilà. Donc, il est vraiment prêt à t'écouter. C'est un joueur très, très concentré. Donc, ça va être très, 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 très chaud, je pense, pour son adversaire, qui lui non plus n'est pas à négliger. Star-Lord, je le rappelle, 8e dans le classement Ultimate Fighting Championship. Et il a été à l'OGT 2018. Voilà, top 3. Donc c'est pour vous dire que nous avons deux gros morceaux d'entrée de jeu. Voilà. Alors nous avons nos compétiteurs qui parlent. Voilà. Alors rapidement, Tao Fight. Que pensez-vous du choix des personnages? Nous avons l'habitude des mains de Star-Lord. Star-Lord, par exemple, qui a l'habitude de jouer Ibuki, mais il nous a aussi sorti Zeku et Menat lors de ses précédentes compétitions. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qui pensez-vous qu'il va choisir? D'abord, il faut rappeler que Star-Lord, c'est un spécialiste de personnages à mix-up. Voilà. On avait Ibuki, Menat, on a eu Zeku après. Il faut dire qu'aujourd'hui, il peut nous encore créer la surprise avec un autre personnage, un nouveau personnage à mix-up. Oui, ceci n'est pas négligé. Je pense plus qu'il va opter pour Ibuki parce que depuis cette dernière saison, il est le plus constant avec Ibuki. Donc, je pense que Star-Lord va opter pour Ibuki. Ok. Alors, du niveau de Joker, moi, je ne me dis pas d'inquiétude, mais donnez-moi votre analyse. D'après vous, qui sera le main rapidement de Joker? Je pense que le main de Joker, ça peut être Urien. Possible que ce soit Camille aussi, vu qu'actuellement elle est aux oubliettes. Donc, pour l'effet de surprise et autres, tout ça. Pour le fait que ça fait un moment que ces différents challengers n'ont pas affronté le personnage. Donc, il peut opter pour Camille, soit Urien. D'accord. Donc, nous allons voir. Soit Ibuki ou Menat ou peut-être Zeku encore ou encore un autre joueur qui sait sortir Star-Lord. Quant à Joker, nous avons double choix, soit Urien ou alors Camille. Alors voyons voir ce que ça va donner. Et là, le choix il est sans équivoque. Nous aurons un Urien versus Ibuki. Vesquil et Vetrag. Ok, V-Skill 2, V-Trigger 1 pour Urien, V-Skill 2, V-Trigger 2 pour Ibuki. Eh bien, on y va, c'est parti pour le premier match. Joker versus Star-Lord. Vas-y.
Ok, d'accord. Donc on aura droit à un petit calibrage rapide, histoire de bien se préparer. Voilà. Et ça commence avec le jeune punt. Ok. Apparemment, tout a l'air de bien passer. N'oublions pas que nous disposons ici de la meilleure qualité en termes d'écran. Voilà, des écrans zéro lag. Tout ce qu'il faut pour une très bonne compétition. Et tout ça, ça se passe à l'Orange eSport Experience. Ok. Ces échauffements ont des allures de mise en garde, de grosses menaces. Là, je crois que c'est bon. Ils vont y aller. Ok, alors on y va, c'est parti. Et ça commence très bien d'entrée déjà avec Joker qui mène la danse, suivi tout de suite par Star-Lord. Je crois bien que la période du jaugeage est passée. Là, il passe violemment à l'offensive. Urien qui a l'avantage au niveau des points de vie. Joli anti-air. Ok, le whiff qui n'est malheureusement pas bien puni. Et voilà, il va s'en suivre comme conséquence la chope. Alors, premier avantage pour Joker. Le round est fini assez rapidement. Ouh là là. Star-Lord qui n'est pas encore rentré dans le jeu. Ok. Joli pif. Chariot Tackle Excel. 1-2-1. Ouh. Belle utilisation du V-Skill. Premier combat qui finit assez rapidement. Premier combat remporté par Joker. Ok, nous tenons à rappeler que dans ce début du top 8, ce sera FT2. Donc il reste un match encore à Joker pour remporter la victoire. FT2 et le top 3 se fera en FT3. Voilà. Ok. Alors Joker qui continue d'agresser Star-Lord. Attention, Star-Lord qui n'est pas encore bien rentré dans le jeu. Ah, il semblerait que ça commence à aller. Ouh là là, le Hubbard qui passe. Ok, très bien puni, mais une deuxième fois. Deuxième headbutt. Voilà, V-Trigger, bien sorti, V-Reversal. Whiff finish de la part de Joker, ça passe magnifiquement.
Ouh, regardez-moi ce dash pour éviter le saut de Star-Lord. Attention. C'est un gros pied. Attention, les mix-up ont commencé. Ok, Star-Lord commence à rentrer dans le jeu alors que Joker a une balle de match. Ouh là là, ça sent le drop. Deuxième sit-up. Ok, ça marche. Voilà. Apparemment, alors que Urien qui obtient une balle de match. Mais nous avons Star-Lord qui commence à se reprendre apparemment. Regardez-moi ces mix-up. Ces os qu'ils aimaient extrêmement sales. Ok, ça marche. Le Rasengan. Ouh, le headbutt. Bien repris de la part de Joker. Attention, with finish. Aïe, 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 ça ne... Le shuriken qui n'explose pas au bon endroit. Malheureusement. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce pif? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits drops là. De la part de Star-Lord. Il faut faire très attention, il joue la balle de match. Star-Lord qui a sa balle de V-Trigger, qu'est-ce qu'il va faire? Outsi. Aïe 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 aïe. Et c'est terminé. C'est terminé. Première victoire. Premier match, première victoire. Voilà. Et voilà. Première victoire de Joker. Round 1. Ok. Urien wins. D'accord. Alors, nous tenons à rappeler encore une fois que il s'agit de FT2 et Joker qui remporte sa première victoire, c'est ça? Face à Star-Lord 2-0. Voilà, alors nous allons passer au prochain match. Devo Rally versus Kruger. On a statué un peu sur le match Joker Star-Lord. Oui. Quelles ont été tes impressions? Voilà, d'abord, écoutez, le fait est que déjà c'était très expéditif. Voilà, Joker qui semblait mieux préparé psychologiquement. Ça s'est passé très vite. Il y a eu beaucoup de drops de la part de Star-Lord. Il n'est pas du tout entré dans le jeu. Peut-être vers la fin, il a essayé de se reprendre, mais voilà. Joker était déjà très, 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 très près. Voilà. À coup de chariot tackle et de headbutt excel. Ça s'est très, très, très vite passé. Et malheureusement, il n'a pas laissé la moindre chance à Star-Lord. Alors, 2-0, Joker. Nous allons passer au prochain match. Devo Rally versus Kruger.
Alors, c'est maintenant à l'Orange eSport Experience organisée par Gamer CI. Voilà, je suis votre serviteur Algobiaga. Algobiaga en direct avec Tao Fight au casting du top 8 Street Fighter 5. Voilà. Donc nous attendons les prochains. Devorali Kruger. Alors ça risque d'être un match assez excitant. Nous avons Kruger aussi qui est un spécialiste des surprises surtout. Oui. Et de perso à mix-up. Ah, ça va chauffer. Et aussi Devorali qui est resté constant. Très constant. Depuis le début avec son perso, Nekali. Nekali, et parfois il joue aussi Bison. Je me demande bien à ce qu'il va conserver Nekali. C'est ce que je pense. Balrog aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. La situation, nous verrons quel personnage qu'il va utiliser. Voilà. Alors Devorali qui est habituellement quelqu'un d'assez agressif. Face à Kruger, Kruger lui, comme Tao Fight l'a dit, c'est le maître des surprises. Voilà, il joue, comment il s'appelle, Karine et puis... Voilà, pas seulement Karine, mais Colin. Voilà, Colin aussi, voilà. Kruger, c'est celui qui aime, qui utilise habituellement des filles comme personnage. Voilà, nous verrons pour cet affrontement, le perso qu'il va utiliser. Voilà. Et ils ont l'habitude de s'affronter, ils se sont plusieurs fois affrontés très souvent. Donc ça risque de donner lieu à un petit combat assez sanglant, je dirais. Surtout avec l'agressivité de Devorali. Devorali qui a créé la surprise cette année aussi lors de l'UFS. Il a eu même à remporter l'une des étapes de l'UFS. Voilà, donc ça risque de donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors nous aurons les personnages qui s'installent, les persos. Alors, Devorali versus Kruger à l'Orange eSport Experience, voilà, à l'Orange Digital Academy, organisé par Orange et Gamer CI. Nous avons Devorali au player 1 et Kruger au player 2. Ok, là, je crois qu'ils vont passer tranquillement au calibrage. Tranquillement au calibrage, je pense qu'ils vont y aller au calibrage directement avec leur main. Donc ça nous donnera l'occasion de savoir qui est-ce qu'ils vont jouer. Alors, donc nous allons passer à la phase de calibrage. Voilà. Donc, comme je le rappelle, nous avons Devorali qui va affronter Kruger. Devorali qui utilise Nekali. Voilà. Petite phase de calibrage rapide. Ok, tout semble bon.
Alors voilà, cette rencontre sera assez palpitante et je sens que ça sera très pleine de surprises. On commence directement. Ah bon, c'est pas un calibrage ça? Ouh, d'accord, si c'est directement, alors c'est bon. Grab. Donc c'est que c'est OK. Donc, comme je disais, Devorali. Devorali qui est très très agressif. Voilà, un, le stomp Excel. La commande grab Excel qui passe pas. Mix très up. Bien puni de la part de Freddy Krueger. Attention, le vire reversal qui est tout chaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Commande dash. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé de la part de Devorali? Il arrive à punir. C'est et la voilà. Victoire de Devorali. Ok, l'anti-air qui passe en double touche. Ok. Nous avons Colin qui prend l'avantage. Oh, qu'est-ce que s'est passé? Le counter qui passe pas. C'est bien puni de la part de Krueger. Voilà, Colin qui est chaude. Attention. Overhead qui passe. Devorali qui sort du corner. Crush, counter. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Un drop très significatif, mais ça n'arrête pas. Cela n'arrête pas Devorali. Il place tranquillement son critical. Magnifique. Son critical art. À... 1-0 pour Devorali. Attention, comme je dis, ça commence très, très, très méchamment. Devorali qui est hyper agressif et malgré les drops, il arrive à finir rapidement ce match. Attention, un gros jump de la part de Devorali. Une fois commande grab, seconde fois commande grab, oh, la troisième fois magnifiquement évité grâce à un backdash. Ouh, magnifique pif de la part de Devorali qui se sort de ce petit mix-up. Ok, V-Reversal qui passe encore, Krueger au corner et c'est la chop. Excel. Très rapide, rapidement, Devorali extrêmement agressif. Il ne veut pas laisser le temps à Krueger de respirer, de comprendre ce qui se passe. Attention, dans la garde. Commande dash. Punish. Ok. Commande grab, attention. Alors, Krueger qui essaie de revenir dans la partie. Oui, il a une très belle avance dans ce round. Attention. Oh, regardez comment est-ce qu'il a évité ça. Grâce à son commande dash. Attention, le chimie qui passe pas. Qui est chaud. Alors, une seconde fois, une troisième fois, esquivé, overhead dans le corner. Vetraga activé. Qu'est-ce que c'est que ce drop? Attention, Devorali qui drop beaucoup. Mais il s'en fout, il veut rien comprendre. Et malheureusement, la critical qui ne passe pas. Comment piffer la critical, je ne sais pas. Ben voilà. Un partout. Attention. Alors Krueger qui désormais décide de se montrer tout aussi agressif. La chop qui passe, la part de Devorali. Ok, c'est bien esquivé. Malheureusement, il revient dans le corner. Ok, Devorali qui a la bonne idée, pardon, Krueger qui a la bonne idée de sortir du corner. Allez, le stomp Excel, le dash, commande grave. Attention, nous avons alors Colin à zéro vital. De Colin. Non, désolé. Et le dragon pif qui passe. Le pif no beat. Deuxième victoire de Devorali. Deuxième victoire pour Devorali. Allez, c'est parti très vite. Hein. Ah ouais, nous avons... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont absolument pas le temps. La stratégie était la même qu'avec Joker. On n'a pas le temps. Voilà, je t'attrape, je te démolis. Krueger et Star-Lord qui ont fait une mauvaise entrée de match. Ouais. Ils ont essayé de se reprendre, mais voilà, c'est pas passé. C'est pas passé. Alors, Star-Lord et Krueger qui se retrouvent en loser. Voilà. Et... Joker et Devorali qui avancent vers le quart de finale winner, c'est ça? Alors, le prochain match va opposer 3e.
Mac Masters. Troisième versus Pro Vix. Mais avant de parler de ça, nous allons revenir rapidement un peu plus en détail concernant l'analyse de ce second match d'Evorali versus Kruger. Alors là, je remarque au côté d'Evorali, il y a eu beaucoup de drops. Beaucoup de drops, peut-être dû à la pression, je ne sais pas. Mais malgré cela, il est resté très, 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 très agressif. Très agressif. Je pense que c'est ce qui lui a valu en fait cette victoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match, mon cher Tao Fight? Devorali était assez constant dans son plan de jeu. Comme tu le disais tout à l'heure, malgré les drops, Devorali n'a cessé de mettre la pression. Voilà, et à la clé, on a eu la victoire de Devorali. On a aussi Kruger qui a essayé de revenir dans le match, mais c'était un peu tard. C'était limite. Voilà. Hein. Voilà. Donc, malheureusement, il n'a pas pu revenir. Et second match tout aussi expéditif que le premier. Je me demande bien qu'est-ce que cela va donner pour les prochains matchs. Alors, troisième versus Movix. Voilà. Si c'est encore un autre match qui n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de Mac Masters, précédent champion de l'Orange Gaming 2 qui est aujourd'hui devenu Orange Esport Experience. Alors, 3M, que dit sur 3M qu'on appelle communément 3M? Il faut rappeler que 3M est le vice-champion du premier OGT. Exactement. Voilà. Troisième encore, le champion titre de l'OGT précédent. Et deuxième à l'UFS. Hein? Deuxième dans le classement UFS. Voilà, deuxième dans le classement UFS. Alors, c'est un joueur très constant, très travailleur, très hargneux, et n'eût été sa victoire à l'OGT 2019, il aurait gardé son titre du tristement célèbre Roi sans couronne. Voilà, un très grand finaliste. Il était finaliste à peu près à 90% des compétitions, des grandes compétitions Street Fighter. À 90%, ce n'est pas rien. Finaliste, et cette fois-ci la chance lui a souri en 2019 face à son adversaire. C'était Joker, c'est ça? Oui, c'était Joker. Voilà. En 2019, encore le meilleur. Cette fois, Mac Masters qui a décidé de lui couper la route. Il a brisé le mythe. Il a brisé voilà. Mythe. Et cette fois-ci, top 8 Orange Sport Experience 2020, il va affronter Movix. Nous avons 3-0. Pour rappeler que Mobux est vétéran en Street Fighter. Grand vétéran. Vétéran en Street Fighter. Voilà. Depuis les tout premiers Street Fighter, il a toujours utilisé son personnage emblématique Ryu. Donc ici, il fera face à 3M. Et on verra s'il sortira encore Ryu ou son second perso Kage. Calibrage rapide. Hey, I was waiting for you.
Ok, donc petite phase de calibrage. Nous avons Troisième qui joue son personnage, Ken, qui main Ken. Donc, attention. Donc, Troisième ici qui main Ken. Ken, depuis la nuit des temps. Parfois aussi, c'est essayé à Birdie. Birdie qui est son second personnage, mais il est resté fidèle, très amoureux de Ken. Ken qui est son personnage principal. Et quant à Mozu, je pense que le calibrage l'a pris Kage. Est-ce à dire que pour le match, lorsque le match va commencer, nous allons avoir Kage c'est très possible. C'est très 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 possible. Je vois technique d'intimidation de la part. Personnage. Kage qui est un personnage qui est contre l'attaque. Très peu de vie, mais extrêmement violent, extrêmement rapide. Qui malgré son neutral un peu faible, a quand même de quoi compenser avec ses coups spéciaux. Et surtout son V Trigger. Voilà. Rapidement, petit calibrage. Alors moi je me dis ce match qui promet. Nous avons 3M qui est extrêmement technique, très 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 technique, qui avant qui était l'un des plus grands maîtres du pif, et qui avec le temps a réussi à calmer un peu ses ardeurs. Donc nous avons un jeu très technique de la part de 3M. Ok, donc ce versus va commencer maintenant. Nous sommes en direct de l'Orange Digital Academy à l'Orange eSport Experience organisé par Orange Gamercy. C'est du Gamercy. Encore une fois, Forgotten Waterfall utilisé comme stage. Ah ben voilà, c'est ce que je disais, pas de Kage. Petit retour à notre Ryu national. Hey, rapide Ryu. Versus. Allez, on y va, c'est parti. Donc V-Skill 1, V-Trigger 1 pour Ken. V-Skill 1, V-Trigger 2 pour Ryu. McMasters versus Movix, c'est maintenant. Et allez, on y va, c'est parti. Oupsi. Voilà, rapide Ryu qui n'a pas, qui déjà ne garde pas son calme et il balance les boules. Attention, petite phase de spacing. Un fireball. Ok, le whiff. Punish, bien Chimie. Positionné, encore une fois. Chimie qui passe. Et voilà, Movix dans le corner. Hadoken XL, Shoryuken, son neutre. Voilà. V-Trigger, déjà activé de la part de Ryu. Cela signifie clairement que Ryu est déjà à 2/3 de sa vie perdue. Troisième qui tient Movix dans le corner. Il arrive plus ou moins à s'en sortir. Regardez ce calme de la part de Troisième. Il empêche Movix de jouer. Movix qui est toujours dans le corner. Au moindre confirme, petit. Manqué. Regardez-moi cet entier. Je ne sais pas si je dois dire cross-up. Placé au dernier moment. Magnifique. Et il n'a pas laissé Movix sortir du corner. Enfin, juste pour mourir. Attention, ça reprend. Regardez-moi, c'est whiff finish. Corner pour Troisième. Attention. Donkey kick suivi d'un tatou. Bon, moyen pied, Hadoken. Attention. Regardez-moi ce whiff finish de la part de Mac. Mac qui est très calme. Il observe. Il observe, il punit sauvagement. Regardez-moi, attention, ça c'est pas bien puni malheureusement. Il a duck. Nous avons aussi Movix qui se laisse pas intimider par McMasters. Exactement. V-Trigger activé. Attention, un petit contre peut changer la donne. Qu'est-ce que ça va donner? Terreur son jeu de footsie. Oui. Troisième qui reste très calme, footsies. Il observe. Oh, Tatsu Airborne qui peut éviter. Movix qui reste très combatif. Confirme de Troisième. Qu'est-ce qu'il va faire? Fireball. Très sauvage.
Dash, Chop qui ne passe pas. Ovux qui est encore dans le coin. Son de trade de la part de Movis. Malheureusement, il ne confirme pas ce saut avec low kick. Et voilà, Ken 3M qui prend ce premier match. Un match très technique, très technique, à base de footies et de whiff finish. Magnifique whiff finish de la part de 3M. Ça se sent qu'il connaît très bien comment combattre Ryu. Et le saut qui est gardé dans la garde. Attention, qui se prend la Hadouken. Regardez 3M qui est en train de pousser. Petit à petit, Movix dans le corner. Attention, magnifique punition. Overhead. Oh! Attention, le pari qui, malheureusement, suivi d'une chope qui a été chopée. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Un shuriken dans le vide. Ok, Hadouken Excel. Attention, faut pas avancer comme ça sur le troisième. Très bien, anti-air, bas moins point. Ouh là là, regardez-moi, c'est neutral. Footsies neutral. Attention, non. C'est bien puni. Ok, bas moyen pied à Doken Excel. Bas petit pied, bas moyen pied à Doken, Attention, Movix. Je ne laisse pas intimider par 3M. Absolument pas intimidé. Attention, il a l'avantage. Activation en vie. Mais le V-Trigger de 3M qui est activé. Ken qui est extrêmement relentless. Ouh, crush counter, mais malheureusement qui n'est pas rentabilisé. V-Trigger activé. Qu'est-ce qui va se passer? Non! Overhead Tatsushoryu. Magnifiquement placé de la part de 3M. Il a gardé son calme malgré son désavantage en vie. Il réussit à revenir dans ce round. Ce qui lui permet d'avoir une balle de match. Mais Movis ne se laisse pas faire. Il passe en mauvais. Movis qui manque, ça confirme. Attention, regardez-moi à la relevée. Il attaque directement. Nous avons 3M qui est très calme. Très calme, qui garde son calme. Très calme et surtout très patient. Très calme, très patient malgré les assauts de Movix. Movix qui attaque. Ouh, le dash chop qui ne passe pas. Regardez comment 3M est très concentré, très calme. Ok, la chop qui passe cette fois-ci. V-Trigger, oula, Shoryu répare. De 3M, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, Movis qui est dans le corner. Dans le coin. Attention, une petite chimie là-bas, non. Whiff finish, non. Finish de Movix. Regardez-moi ce whiff finish. Et pardon, ce finish de Movix. Oh. Movix qui manque une seconde fois, ça confirme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Drop sur drop. Drop, su, drop. Regarde-moi cet Tatsu qui drop. Nous sommes à la Drop City. Drop City, s'il vous plaît. Voilà. Final round, Movix. Avec son jeu de Fireball. Ah, ben je viens de remarquer que c'est Ryu versus Ken. Troisième qui est toujours aussi agressif. Balayette qui passe. Voilà, les whiff finish. Magnifiquement bien placé, le saut. Mais c'est pas confirmé. Qu'est-ce que c'est que ce drop? Troisième. Ok, Tatsu Excel. Le chimie. Le dragon qui passe. Tatsu Shoryuken. Troisième. Pas moyen point. Stand moyen point. So, Tatsu. Et voilà. Shoryu. Repas. Et voilà. C'est terminé. Victoire de troisième qui s'impose. Troisième qui était face très énervé par ce drop apparemment. 2-0. À la vitesse supérieure. 2-0 encore une fois. Ah oui, ça se voit qu'il s'est éclaté. Malgré le fait que nous étions à Drop City, 3M qui s'en sort aussi bien avec son Ken. Eh bien, je pense bien que cette série de drops sera d'anthologie. Je pense qu'on va récupérer ça pour un highlight de la moitié, n'est-ce pas? Ben voilà, 3M qui, à part en fin de match, il est devenu extrêmement agressif. Il est resté très calme. Et voilà, il a utilisé toutes les techniques de base, les fundamentals, face à Movix. Magnifique whiff finish, magnifique punish aussi. Et surtout ces chimies qui ont carrément détruit Movix. Movix qui ne s'est pas laissé faire, mais malheureusement,
on a pu sentir quand même une différence de niveau, je devrais dire. Voilà. Nous avions un 3M extrêmement calme, très très posé, très très technique. Voilà, au niveau des footies, regardez-moi ces whiff finish, c'était sauvage, c'était magnifique, très technique en tout cas. Donc nous allons passer au prochain match, Retroman versus Nokum. Alors, Retroman qui est classé 7e UFS face à Nokum. Nokum qui est l'un des meilleurs joueurs aussi, ivoirien, en termes de Street Fighter. Voilà. Et ces deux vont s'affronter tout à l'heure. Alors, que peux-tu me dire sur Nokum et Retroman? Je peux te dire que Nokum est assez performant. Depuis un bon bout de temps, Nokum est assez performant, voilà. Et pour ce Street Fighter V, il a énormément de joueurs, donc nous ne saurons pas exactement qui est-ce que Nokum va utiliser aujourd'hui. Il faut dire aussi que Retroman, il reste toujours fidèle à sa Ermika. Voilà. Nous allons commencer tout à l'heure pour ce prochain affrontement entre Retroman en player 1 et Lord Nokum en player 2. Qui vont peut-être se calibrer. Retroman en premier et puis Nokum en second. Voilà. Je me demande s'ils vont passer un caillou, s'ils vont aller directement. Direct. Ok, nous aurons droit à un direct. Voilà. Le calibrage, c'est pour les enfants. Je ne veux rien savoir. Je vais tout de suite taper là-dessus. Esquiver les montagnes jouées. Voilà, on espère que l'esprit de la Drop City est passé. Et que nous aurons droit à un combat tout feu, tout flamme. Deux des meilleurs joueurs ivoiriens en ce moment. Alors, Cody ou Akuma? Personnellement, pour Retro, je ne me fais pas d'illusion. Ça sera Rainbow Mika. Et voilà, okay. Nokum qui nous sort. Monsieur le maire. Ah bah non. Retro, moi, c'est le chiffon. Je choisis ça. Karine face à Monsieur le maire. Et oui. Je sens qu'on aura des phases extrêmement sauvages, je dois dire ainsi. Voilà, n'oublions pas que Karine, qui a un des meilleurs neutrales du jeu, très bon chimie, très bon déplacement, très bon combo. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a Cody. Cody joué dans la main de Nokum est un personnage extrêmement agressif, relentless. Je sens que ça va barder. Je sens que nous n'aurons pas le temps de respirer. Et voilà, ça commence. Ça commence, Karine qui essaie de tâcher d'attaquer. Confirme de Nokum. Ok, regardez-moi ça, cette barre de vie qui saute en brousse. Ok. Monsieur le maire qui punit en reversal. Ce punish de la balayette. Encore un autre punish qui passe. Attention, le pick-up excelle dans la garde. Regardez cette barre de vie qui saute alors quand nous sommes à 70. Encore au niveau de Vida Time. Ok, regardez-moi cette manière d'esquiver. La boule. La shot qui passe. Activation V-Trigger. Nokum qui sort du corner. Attention, monsieur le maire, anti-air. L'anti-air qui passe. Aïe. Bas gros point. Monsieur le maire qui n'aime pas trop se salir. Le point armé d'une bonne barre de fer là. Attention, bas de fer tiré de droit, tout droit venu pardon, de Final Fight. Nous sommes dans la maison de Karine. Hein. Donc il rentre dans la maison des gens. Retroman qui confirme. Retroman qui n'entend pas en rester là. La chop qui passe dans le corner. Anti-air. Magnifique. Crush counter. Et la chop. Et voilà. Changement de corner. Et le big up excel. La chop qui est magnifiquement évitée grâce à un backdash. Le gros point qui n'est pas confirmé. Attention. La gueule de la part de Karine. Retroman qui décide
d'être encore plus agressif. Oh, regardez-moi ce petit sit-up. Attention, ce n'est pas puni. Attention. Oh, le pif qui ne passe pas. Le pif qui ne passe absolument pas. Gros punish. Gros punish suivi d'un pick-up Excel. Si je ne me trompe pas, ce coup, il a, des, il a une petite loi du start-up. Est-ce qu'il a une invincibilité? Tu sais pas. Je ne suis vraiment pas sur le coup à une invincibilité. Mais je crois que Karine a essayé de taper, donc voilà. Parce qu'il a utilisé sa quasi à la relevée. Voilà, je pense qu'il ne voulait pas laisser le temps à Retroman de bouger. Et je crois que le pari, il est réussi. Attention. De manquer. Entrière. Magnifique place, magnifiquement placé, pardon. De Retroman. Monsieur le maire qui est sous pression. Ce max range, ce coup de pied en max range. Attention, le bas, le gros point, le stand. Confirme le rétro max. Ok. Le dragon X qui passe. Ouh, la chope qui ne passe pas en midi. Ça ne passe malheureusement pas. Donc il se fait. Comment il se fait choper, regardez-moi. Activation V-Trigger. Command grab. Ici top. Et c'est encore un autre drop. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas quitté de Drop City, apparemment. Ouh, regardez-moi ce command dash suivi d'une chope. Magnifique de la part de Retroman. Il annonce les couleurs de ce second round, du second match. Attention. Confirme. Okay. De jeu de neutral. Jeu de neutral magnifiquement placé. Attention. Ouh là là, regardez-moi ça. Ils se rendent coup pour coup. Non, le commande dash, cette fois-ci qui ne marche pas. Monsieur le maire, activation de trigger. Ouh, regardez-moi ça. Confirme. Hey! Mais regardez-moi comment la barre de vie qui saute en brousse. Balle de match. Pas possible. Final round pour ce second match. Attention, on rend nous droit à un troisième match. Ça va se savoir tout à l'heure. Confirme okay. De Retroman. Attention à la barre. Lord Nokum dans le coin. Critical. Attention à la barre de critical. Ah non, Nokum il n'en a rien à foutre. Ok, anti-air qui passe. Ouh, ça ne touche pas. Attention. Retroman qui joue parfaitement bien. Ok, very versal. Pour se mettre en sécurité. Attention. Parfait anti-air. Oh là là, faites très attention. Ces deux personnages ont apparemment de très bons neutrales. Très attention. De très bon pour le rappeler. Karine qui se activation. Prend. Attention à la barre de fer. Monsieur le maire qui manque, ça confirme. Ouh, magnifiquement piffé de la part de Nokum. Et il place une chop. Spé. Magnifique de la part de Nokum. Voilà, c'est ce que je disais. Nous avons un Cody extrêmement agressif qui n'a même pas peur du neutral de Karine. Même pas peur. Même pas peur. Et voilà, Nokum qui réussit avec encore une fois. 2-0. Encore une fois. 2-0. Alors là, nous avons eu un top 8 winner assez expéditif. 2-0 partout. Voilà. Et les vainqueurs ont montré à quel point ils étaient agressifs. J'ai été agressif. Ils ont rien voulu lâcher. 2-0 dans tous les sens. Et voilà, nous nous retrouvons avec nos 4 winners et nos 4 losers, à savoir Joker, Devo Rally, 3M et Nokum. En winner et en loser, nous avons Starlord, Kruger, Movix et Nokum. Alors nous allons passer à cette seconde phase, les demi-finales winners et première partie demi-finale loser tout de suite. Alors nous allons tout à l'heure avoir le bracket pour la suite. Donc je rappelle encore, nous sommes à l'Orange eSport Experience organisé par Orange Gamer CI dans l'enceinte de l'Orange Digital Academy, un cadre assez intéressant. Voilà. Alors nous avons 8 participants, toujours en lice.
Joker, Star-Lord, Devorali, Kruger, 3M, Movix, Retroman et Nokum. Et je rappelle encore une fois, les demi-finales winner, ça se passera entre Joker, Devorali, 3M et Nokum. Et pendant ce temps, en loser que j'appelle la descente aux enfers, nous aurons nos 4 losers, Star-Lord, Kruger, Movix et Retroman qui vont s'affronter et attendront leurs prochains adversaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette première phase a été, encore une fois, très expéditive, vraiment très expéditive. Ça donnait l'impression qu'il y avait vraiment une grosse différence de niveau. C'est l'impression que ça a donné. Un Joker qui a été très, 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 très expéditif, très rapide. Devorali qui, malgré ses drops, a su ébêter en pour se débarrasser le plus vite possible de Kruger. Et nous avons 3M qui est moins agressif que les deux premiers, mais extrêmement technique. Il nous a montré de très beaux gestes techniques. Voilà. Et enfin, nous avons Nokum. Nokum avec son Cody qui a montré qu'il avait un très puissant neutral game. Couplé à sa technique, son expérience et son agressivité, voilà, ça donnait quelque chose de très expéditif. Malgré un Retroman qui jouait Karine, la Karine qui était vraiment pas mal, je trouve. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Le rouleau compresseur de Monsieur le Maire, oui, Monsieur le Maire qui, je le rappelle, l'équipe technique de Demetri et d'Orange, au cas où il perd, voilà, il a soudoyé pour participer. On va se passer tout à l'heure, la première phase est terminée, donc je rappelle encore une fois. En loser, nous avons Retroman, Kruger et Star-Lord. Voilà. Alors que pensez-vous de Fight? Donc nous allons avoir une phase demi-finale winner. Entre Joker, Devorali, 3M et Retroman. De ces 4 persos, je me demande bien encore qui est-ce qui part favori. Nous avons 4 très gros morceaux dont le champion va rappeler encore. Nous avons Joker, Devorali, 3M et Nokum. Nous avons 3M, Mac Masters qui est champion. Qui est le champion en titre OGT, qui je le rappelle, l'OGT Orange Gaming Club, qui est aujourd'hui l'Orange eSport Experience. Voilà, ça se passe actuellement. Donc, 3M qui est le champion en titre, qui, si on peut le dire, vient défendre ses couleurs, vient défendre son trône. Voilà. Donc, le prochain match. Nous avons Star-Lord versus Kruger. Star-Lord versus Kruger en loser. Voilà. Qui vont s'affronter. Encore un autre duel fratricide. Rappelons qu'ils font tous deux partie de la team Ghost. La team Ghost qui est l'une team e-sport VS versus Fighting les plus intéressantes. Plus intéressante. Encore une fois, duel fratricide.